La basse électrique est un instrument à cordes pincées. On va pincer les cordes. Les unes après les autres pour obtenir un son grave, d'où le nom de basse, le son bas. Un mix un petit peu entre la contrebasse, elle est accordée comme la contrebasse, et la guitare électrique, elle va être réglée comme la guitare électrique, avec un micro sous les cordes. Électrique, car effectivement, ce sont les micros qui vont transmettre le son jusqu'à un ampli, une enceinte, pour avoir un son beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace. Si je m'amuse à couper l'ampli, il n'y a plus beaucoup de son, car les micros ne fonctionnent plus. Par contre, si j'allume l'ampli et que je mets du volume un peu plus fort, cela fonctionne beaucoup mieux. Ce sont donc les micros qui permettent d'électrifier cette basse pour avoir un son beaucoup plus fort. Cela va lui permettre donc d'accompagner des ensembles de musique actuelle ou des orchestres électriques avec des guitares, des percussions, des batteries et des claviers électriques. La basse électrique peut également se jouer en claquant les cordes, en slappant les cordes. Ou alors en les tirant. La basse électrique n'a que très très peu de morceaux solo vraiment consacrés pour cet instrument, mais on la trouve dans de nombreuses musiques pour toujours accompagner des instruments aussi divers que variés. On la trouve dans les musiques folk, dans les musiques rock, dans les musiques funk, dans les musiques soul, dans les musiques blues, dans la musique jazz. Partout autour du monde, notre basse électrique trouve sa place.